Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Quand je vous le disais dans la première vidéo du jour, on a appris qu'il y a un fou qui allait faire un truc bizarre sur le lieu de l'accident de ce stade. Et les gens commençaient à parler et d'autres sont allés voir le lieu et tout ça, tout ça, tout ça. Ça crée encore un buzz autour même du lieu de l'accident. Et nous allons juste vous montrer les images pour que vous puissiez voir et entendre ce qui se passe. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Partagez cette vidéo et ne manquez pas la prochaine vidéo. Le travail a commencé. Nous sommes même chauds à leur studio. Est-ce que vous êtes jolis ce matin? Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous-même vous sentez même que vous êtes content ou bien vous êtes à l'aise aujourd'hui? Mon frère, si tu n'es pas à l'aise, si tu te sens mal, que Dieu te donne la guérison aujourd'hui, il te donne la paix du cœur. Et la paix du cœur, ça va aller. Sois fort. Sois forte, ma soeur, toi aussi. Que Dieu te donne le courage. Regardez ça. Comme vous le voyez, le cœur, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime, c'est bien réel. On nous montre ici une personne qui est là, où se trouve la flèche, qui est en culotte kaki. On nous dit que cette personne est folle. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle a fait sur le lieu de l'accident est bien présent là. Regardez ça. Normalement, le fleuve doit être placé là, à l'endroit initial. On nous dit que cette personne, qui est considérée comme une folle, est venue tout saccager le lieu, tout et tout, tout et tout, et tout, et tout. Quoi? Cette personne pense que c'est un fan qui l'a fait. D'autres personnes pensent encore que c'est des ennemis à ce stade qui envoient juste cette personne-là pour essayer de tout saccager. Regardez, la personne est ici, en culotte kaki. Et ça encore, ce sont des choses qui font le buzz quand même. Les gens continuent à parler, ça prouve que les gens n'ont pas oublié cette affaire. Ils sont toujours en train de parler. Regardez même ça. Comme je le disais tantôt, un autre accident assez scandalisant s'est produit ce mardi 24 septembre 2019 aux environs de 11h30 sur les lieux du tragique accident de moto qui a causé la fin de DJ Arafat. Wow. En effet, un individu qui semblait ne pas être en possession de toutes ses facultés mentales a complètement semé le bordel sur les lieux de l'accident de Berusama à Cocody-Angré sur la voie reliant le pont Soro à la représentation commerciale de l'ambassade de Chine. Ce malade mental était vêtu d'un pantacourt kaki, d'une paire de sandales noires et d'une chaussette blanche. Tenant un t-shirt à sa main, il s'est exhibé sur la chaussée avant de ramasser le bouquet de fleurs posé sur les lieux de l'accident, puis le jeter dans tous les sens. Comme vous le voyez, le corps, ce n'est pas de la blague, pas de la frime. Les bouquets de fleurs sont carrément à terre. Il n'est pas mort, il n'est pas mort, criait-il dans tous les sens, à la grande surprise des passants et automobilistes qui ont suivi la scène. Avec des témoins, les gens ont vu la scène, ils l'ont même pris en photo. Waouh, c'est inquiétant quand même. Après avoir transformé le lieu d'accident du Daïchikan en dépôt d'ordures, cet individu s'est fondu dans la nature. Il a disparu, juste comme ça, il a disparu. Eh bien, j'hallucine ou quoi? Cet incident suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et plusieurs internautes estiment qu'il s'agit là d'un Chinois qui n'arrive pas toujours à digérer la fin d'Ange DJ Wong alias DJ Arafat. Eh bien, moi je me pose la question si c'est amour ou folie. Je pose la question si c'est amour ou folie. Comment pouvez-vous expliquer cette affaire? Comment pouvez-vous expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Peut-être que c'est une simple personne qui est venue faire ça, ou même une personne qui est vraiment folle qui l'a fait. Mais pourquoi elle dit qu'il n'est pas mort, il n'est pas mort comme ceci et comme cela, c'est ce que vous venez d'entendre. De toutes les façons, si vous pouvez aller nettoyer l'endroit, allez bien nettoyer. De toutes les façons, et il y a d'autres mêmes femmes qui vous ont déjà précédé, même qui sont là, elles sont venues voir. À s'exprimer comme il veut et quand il veut, mais c'est dommage quand même qu'il nous quitte si jeune. Elles sont venues juste pour voir le lieu où c'est a eu un accident, tout ça, tout ça. À l'âge
qu'il est parti, c'est vraiment, c'est triste en tant qu'humain. Et elles sont vraiment dépassées par le fait que cette histoire soit décidée toute jeune. De partir si jeune comme ça, quel qu'en soit ce que tu fais. Et regardez le lieu, c'est le lieu là qui était voilà, aménagé de la sorte. Tout et tout, tout et tout. Les gens viennent pour déposer des fleurs et autres. C'est pas intéressant. Bon, d'abord, nous avons quitté le Burkina, on est de passage. Elle a quitté le Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire pour voir ça. On a tenu à rendre hommage à ce grand monsieur qui a fait beaucoup pour la musique en Côte d'Ivoire. Bon. Même pour la musique en Afrique. Donc comme vous pouvez le voir, apparemment, ils ont bien arrangé le lieu. Les fleurs sont de retour en place. Voilà, tranquillement, tranquille. Et les gens peuvent prendre en photo, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Que pensez-vous de cette affaire? On a tenu à lui rendre hommage. Elles sont venues lui rendre hommage, tout et tout, tout et tout, tout et tout, tout. Bien, bon. Ah! Moi, franchement, quand je regarde ça, je me dis... Non! La vie est quand même triste. La guerre, la vie est quand même triste. Ce star a eu un accident à cet endroit-là, à ce carrefour-là, comme vous venez de le voir. C'est un carrefour, regardez bien. C'est un carrefour, les gens passent, il y a le véhicule qui passe là, vous voyez, il y a le véhicule mais qui sont stationnés. Tout, elle est là, tranquillement, en train de regarder, faire un truc. Voilà, c'est à ce niveau-là que ce star-là a eu son accident. Donc les gens ont juste bien arrangé ce lieu-là, je ne sais pas s'ils ont rebaptisé le carrefour, là, donnant le nom de ce star, là, genre carrefour, bon, un truc de ce genre. Une personne peut mourir quand même jeune. C'est quand même triste. Qui d'entre nous se prépare à mourir? Qui d'entre nous ici même prépare sa mort? Qui veut mourir? Je vous pose la question, mon frère, toi, ma soeur, toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que tu veux mourir? Qu'est-ce que ta réponse? Jamais! Oh! Le rire, la checker, c'est tout! Je ne veux pas mourir! Personne ne veut mourir. Si toi, tu souhaites mourir, tu as tout de péché. Si toi, ton désir, c'est de mourir, là. Tu as tout de même péché. Tout le monde vit quand tu as mourir. Oui, j'ai jamais vu ça, hein? Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous protège, quoi. C'est vrai, toi, mais tu peux dire, ah, je vais vivre longtemps. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. La volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Tous les jours. Toi, tu dois juste négocier avec Dieu. Pour que Dieu t'aide. On nous dit, mais dans la parole de Dieu, respecte ton père et ta mère et tu auras juste longue vie. Ça veut dire que tu t'aides. Si toi tu obéis à la voix de l'Éternel et tu fais ce que Dieu te demande de faire, ce qu'on appelle le commandement de Dieu, juste si toi tu obéis à ça, tu es censé avoir aussi longue vie. Mais dans la vie où nous sommes là, il y a des choses qui peuvent pousser les gens à partir très tôt. C'est comment je peux vous dire, si vous savez que vous aimez la boisson, boire beaucoup, arrêtez ça maintenant. Ça ne vaut pas la peine. Surtout même boire et conduire, ça là, ça enlève les gens vite de la terre. Oui, faites arrêter même ça. Du genre, toi tu as bu et tu veux peut-être faire un truc. Non. Et puis il faut arrêter aussi de chez femme des gens. On n'a plus que ça aussi là. Ça enlève les gens aussi sur la terre. Il y a des gens qui font aussi, hein, tu as la lune, son travail chez femme des gens. C'est un vrai péché même. Si tu veux avoir longue vie, il faut te sortir dans ça. Et il faut beaucoup prier. Si tu sais qu'il y a la sorcellerie derrière toi et que les sorciers te poursuivent, toi, il faut toujours payer ta dîme. Que Dieu se souvienne toujours de toi. Et il faut toujours t'intéresser de ce qui se passe dans l'église de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que nous devons suivre, tout. Il faut t'accrocher à Dieu. C'est pas dans la bouche seulement, hein. C'est dans les actions. Dans tout ce que tu fais,
Même Dieu défend, ça veut dire quoi? Tu rencontres des amis, vous causez. Et tes amis te parlent de copines. Toi, tu dois montrer à tes amis, tu dois prouver que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Et tu leur dis non, c'est pas normal. Tu as demandé de se marier d'abord, avant d'avoir un rapport sexuel avec les femmes. Il faut arrêter ça. Il faut défendre l'intérêt de Dieu partout où tu es. C'est comme ça que ça se passe. Bon, la prochaine vidéo arrive maintenant. Vous serez même surpris parce que vous allez voir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour partager cette vidéo. Dites-nous quand même ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et regardez la petite voix, ça peut s'afficher ici en attendant. Nous avons trois autres chaînes aussi. Cliquez sur ce bouton. Vous pouvez aller voir la page d'accueil où vous ferez nos trois autres chaînes. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo. C'est parti.